Putain, regardez ça, le phénix qui renaît de ses cendres, la divine impératrice. On dirait un poulet, quoi. Arnaud, t'as vu ça ou quoi? Non, en fait, c'est Arnaud qui l'avait vu. Et du coup, je fais ces gens, c'est moi qui l'ai vu. Ouais, bah là, on est ici. Demain, on va aller prendre un kata, on va aller nager avec les baleines, les cachalots. Et bah, c'est génial, franchement, c'est le paradis. Et je suis avec mon poteau là. Wesh. Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Maintenant j'ai une nouvelle formule, les Verseaux, j'essaye de ne pas dépasser 20 minutes de reading. Alors je cartouche, enfin surtout quand je suis en vacances, j'envoie à fond la caisse. Avec Cutting the Deck for Aquarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Et encore, les guides me disent, tu pourrais faire encore mieux que ça et faire plus rapide. D'accord, ok. Ben on va faire la méthode que je fais avec Lily alors. Sauf que je vais confirmer à fond la caisse. Allez les guides, mettez le jeu en ordre pour moi, s'il vous plaît. Mettez le jeu en ordre pour moi, s'il vous plaît. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Ok, les guides me disent que je vais être en ordre, c'est parfait. Alors je vais le faire comme ça pour vous les Verseaux, on va voir comment c'est super rapide pour vous là. Ok, donc l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Four of Cups in Reverse qui vient me dire que vous écoutez vos intuitions et que vous savez ce que vous devez faire, où vous devez vous placer, comment vous devez avancer et ce que vous avez à faire dans la vie, mes amis Verseaux. Vous avez le Hiérophante ici qui vient me dire que en ce moment vous êtes en train de vous ancrer dans une relation stable et que vous êtes guidé par les étoiles pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Votre challenge, c'est la justice, donc c'est là je peux la remettre à l'endroit, qui vient me dire que vous allez chercher une recherche d'équilibre, que vous allez trouver une justice. L'énergie qui vous pousse à faire ça, vous êtes aussi l'Uranus, enfin l'Uranus de la divine féminine, donc le chakra couronne, c'est de rompre avec le passé. Vous êtes en train de mettre le passé derrière, que ce soit pour pardonner à quelqu'un si quelqu'un revenait vers vous, pour ne pas repartir dans des disputes, pour ne pas repartir dans des vieux schémas. Je vais me couper un peu la barre aussi là. Et si jamais c'est pour une nouvelle personne, vous avez envie de quelque chose de sérieux, ça vient me dire que vous laissez tout le monde rentrer dans votre vie, que vous parlez aux personnes de façon ouverte et tout ça, de façon sincère, mais qu'en même temps, vous avez la maturité et vous avez aussi les connaissances énergétiques pour vous dire tout simplement que en fait, c'est simple, vous vous donnez à fond, vous laissez les personnes rentrer dans votre vie, mais en même temps, si jamais cette personne ne vous correspond pas, qu'elle ne correspond pas à une relation sérieuse, qu'elle ne correspond pas à vos attentes, qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, c'est-à-dire une relation sérieuse, c'est-à-dire une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir, j'allais dire, comblé, quelqu'un qui fait des efforts, le partage des efforts, enfin tout simplement une relation sérieuse, vous avez envie de rentrer dans une relation sérieuse. Tout simplement, mes amis Verseaux. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de prétendants. Donc, vous ne vous fermez pas, vous laissez en fait vous rencontrez énormément de personnes. Et vous, encore une fois, vous ne jouez pas des jeux, vous n'êtes pas dans la séduction, mais vous laissez ces énergies rentrer à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes. Et regardez, ce que vous êtes en train de quitter, en fait, c'est tout simplement le monde chiant, en fait. C'est le fait de travailler pour de se taper les embouteillages. C'est le métro, boulot, facture, dodo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la vie standard et tout ça. J'ai l'impression que là, vraiment, ce que vous avez envie, c'est plus de liberté. Ce que vous avez envie, c'est d'être libre. C'est de vous lever à n'importe quelle heure, de travailler la nuit, de travailler le jour. Il y a des jours où vous voulez travailler beaucoup, il y a des jours où vous voulez travailler moins. Et tout simplement, mais le fait d'être insatisfait de la vie, ça vous quitte. Vous avez envie d'avancer. C'est exactement ça, l'énergie qui part de votre jeu, c'est le Five of Swords in Reverse qui vient me dire que vous ne voulez plus être dans les conflits. Et finalement, en ce moment, c'est encore un peu une période difficile parce que je pense que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui est dans la même vibration que vous, ou qu'il n'y a rien de concret. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon. Ça vient me dire que
vous voulez avoir des nouvelles relations, vous avez encore des petites peines de cœur et tout ça, c'est peut-être pas que des petites, mais vous avancez, vous portez votre souffrance, mais vous avancez. Au niveau, alors, c'est le timing divin, ça veut me dire que vous allez peut-être aussi récolter les fruits de votre travail. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une clarification des choses, avec un ex ou avec une... Mais ce que vous voulez, ça c'est sûr que si quelqu'un ne vous avoue pas la vérité, ne vous dit pas tout, n'est pas franc jeu avec vous, ou joue à des jeux avec vous, ou n'est pas... vous allez être clair en fait, vous allez être clair, vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous n'allez pas vous protéger, vous n'allez pas jouer à des jeux. Trop de sel dans ma barbe. Mais si jamais... mais ça vient me dire aussi que vous ne voulez pas précipiter les choses, que vous n'êtes pas en fait précipité, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas envie de... Vous prenez le temps de rencontrer les personnes, de discuter, et je pense que vous avez pas mal de personnes que vous rencontrez en ce moment. Mais vous prenez le temps de leur parler, vous prenez le temps d'échanger avec eux, vous prenez le temps de vous prenez votre temps, tout simplement. Mes amis, j'ai même pas vu que j'avais... Si, je suis con, mais putain, il y a des fois, bref. On a le 6 d'action ici qui vient me dire que... Je suis posé, je suis en vacances, je suis bien. On a le 6 d'action qui vient me dire que finalement, à la fin, vous allez obtenir la victoire, vous allez passer... Plus. Vous allez... Tu reviens après, là ? Ok. Où je te... Bon, bref, il est parti. Il a dû aller réserver. Demain, on fait une grosse sortie cata. On va nager avec des cachalots. On va nager avec des putains de baleines. Ça va être... Avec un youtubeur égyptien, le gars il a des millions de vues à travers le monde, il suit les baleines à travers le monde et demain il vient nous chercher sur un énorme cata, c'est pour ça qu'on a choisi l'hôtel avec un méga ponton là-bas là. Le mec il va débarquer demain, il va... Je sais pas si vous voyez là parce que la luminosité elle est pas terrible. Mais bref, il va déposer son cata devant là et ensuite on s'arrache. Donc voilà, et donc vous allez obtenir la victoire par rapport à tout ça. La personne, alors, ça vient me dire que là, je sais pas si vous vous y attendez pas, mais il y a une personne qui a envie de venir vers vous, qui a envie de s'exprimer là. Il y a une personne qui a envie de parler. Elle est poussée, cette personne, dans le soul, à venir vers vous et à s'exprimer. Parce que cette personne, regardez, elle est malheureuse, hein, elle n'est pas en couple et tout ça, mais elle veut changer les choses, elle veut changer les choses. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation sérieuse, vous êtes dans la guidance et tout ça. En ce moment, c'est un peu difficile au niveau de l'esprit. Hein, vous savez que vous êtes guidé, vous êtes solide en fait. Hein, vous êtes un peu l'énergie du hiérophante, hein, c'est le côté religieux, mais pas, rien à voir avec religion, c'est-à-dire très connecté avec les instants supérieurs. Vous aidez les gens à avancer, tout ça et tout. La guidance. Hein. Et la princesse de confort ici vient me dire que ça peut être un peu difficile par moment. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous voulez investir et au niveau du sol... Vous savez que vous n'êtes pas heureux comme... En fait, vous ne voulez plus attendre parce que vous savez que l'attente, ça va vous amener toujours un peu plus d'attente. Allez, je vais aller regarder ça, mes amis Verseau. Pourquoi est-ce qu'on a la princesse de confort ici, au niveau du mind ici ? Et la relation, bien entendu, la relation, alors, pas de justice, pas d'équilibre et tout ça. Hein, c'était votre challenge, c'était d'aller chercher ça. De sortir aussi des prises de tête. Donc ça peut vouloir me dire que la justice, alors soit ça peut vouloir me dire que vous dans votre justice vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que vous allez pouvoir une relation derrière, soit qu'il y a quelqu'un qui va obtenir justice ici auprès d'un divorce, de quelque chose comme ça. Et regardez ce qu'on a ici, mes amis Verseau, c'est le timing, ça vient me dire que les choses vont arriver en temps et en heure. C'est aussi une carte de communication, c'est aussi une certaine carte d'insatisfaction dans le soul, parce que j'ai l'impression que l'univers s'en mêle et que l'univers est fatigué de ça, que vous soyez pas, que vous avez fait le travail et que vous ne soyez pas en lien avec une personne qui se sabote. Mais néanmoins, on a la victoire et le monde ici chez cette personne aussi, donc je vais aller regarder tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a la princesse de confort dans le mind ici ? Pourquoi est-ce qu'on a la princesse de confort dans le mind ici ? Ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de réflexion avec vous-même en ce moment. Vous êtes vraiment en train de vous demander si vous devriez passer à autre chose. Et moi, je trouve ça plutôt cool. C'est pas moi qui vais vous dire, allez-y, faites-le ou le faites pas.
Mais ce que je vois, c'est que vous êtes grandement en train de vous poser la question. Mes amis Verso, ce que je vois, c'est que vous êtes grandement en train de vous poser la question. Pourquoi est-ce que la princesse de confort, elle est comme ça dans le jeu? C'est parce qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez vraiment. C'est exactement ça. Mais vous avez la force, hein, donc vous êtes... C'est marrant, mais c'est comme si on vous demandait de tenir bon que quelque chose de concret, qu'un cadeau venait vers vous, là. Et on vous demande de vous concentrer sur vous-même. On vous demande de vous concentrer sur... On vous aide, en fait, à vous concentrer sur vous-même. Pourquoi est-ce qu'il y a le six d'action, la victoire, là-bas, là? Pourquoi est-ce qu'il y a le six d'action, là? Je vais voir ça chez Locke, là-bas, là. Pourquoi est-ce que... De quoi il a envie d'obtenir la victoire? Sur quoi? De comment... Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire le malin, là. Ces gens, tout va bien, machin, je suis super bon, je suis super indépendant et tout ça. Mais je sais pas si c'est vraiment ça que je... Il y a un fardeau à déposer, donc c'est peut-être le victoire, c'est le fameux fardeau à déposer. Et on a le Six of Cups, mais in reverse, in the soul. Donc ça vient me dire qu'il y a une personne, en fait, qui... Une personne, encore une fois, qui veut être heureuse. Qui veut être heureuse, mais qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas parce que cette personne se sabote, elle se trouve des fausses excuses. Et c'est, l'univers essaie de le faire comprendre, c'est parce qu'elle se donne des excuses, qu'elle n'arrive pas à vivre sa true purpose journey, en fait, tout simplement. Faut pas qu'on voit mes tétons, mes amis Verseau, sinon ils vont démonétiser ma vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a le monde ici? C'est vraiment très important. Parce que, regardez, ça sautait littéralement, hein, c'est la mort in universe qui vient me dire que cette personne, elle aurait voulu changer les choses plusieurs fois, mais elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Donc ça veut dire que cette personne, elle passe son temps à penser à vous et à ne rien faire. C'est quelqu'un qui passe sa vie à penser à vous et qui ne fait absolument rien. Exactement. Qui est en observation, qui vous observe sur les réseaux sociaux, qui se laisse aller et tout ça. Et là, on a le 9 de Pentacles. Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette personne paraît indépendante, paraît n'être en besoin de rien, que tout va bien dans sa vie et tout ça, mais c'est faux. C'est faux. On a le 2 of Cups in reverse dans le mind. Donc cette personne sait qu'elle est seule. Elle joue... Elle joue peut-être les personnes libérées, les personnes heureuses, les personnes machin, mais dans le fond, cette personne, elle sait qu'elle est seule. On a de full ici in reverse, donc elle ne peut pas commencer un nouveau départ parce que comme elle fait semblant et tout ça, et elle, avec le Ace of Cups in the Soul, c'est parce que cette personne, regardez, on a parce qu'elle garde les choses pour elle, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on a la cavalière d'épines ici dans le Soul, ici, in reverse? Pourquoi est-ce que cette personne, elle se sabote? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers vous? C'est quoi? C'est quelqu'un qui la retient? Dites-moi, s'il vous plaît, mes guides. C'est quelqu'un qui la retient? C'est des croyances que cette personne est là qui ont été, on va dire, implantées à l'intérieur d'elle quand elle était petite? C'est quoi? Pourquoi est-ce que cette personne, elle se sabote, là? Daughter of Swords. C'est ça. Cette personne, en fait... Elle ne veut pas apprendre la leçon, elle se sabote, elle est sur la défensive, encore une fois, la justice divine, c'est exactement ça. Elle doit trancher, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais elle sait qu'il y a le lien et tout ça, que justice doit... Regardez, le Nine of Pentacles, donc c'est une carte de communication ici, donc ça vient me dire que cette personne ne communique pas, ça veut dire que cette personne est sur la défensive, ça veut dire que cette personne est dans l'ego, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a le Hiérophante ici? Parce que je pense que vous savez que vous êtes guidé, vous, en attendant. Mais c'est exactement ça. Hein. Allez voir, si vous voulez savoir où en est votre autre en face, allez voir les taureaux que je viens de faire. Hein. Si vous voulez savoir où en est les taureaux, allez voir exactement. On a le Two of. Parce que c'est-à-dire que vous n'attendez plus cette personne. Et on a le Nine of Pentacles in reverse, qui vient me dire que vous en avez marre de ne pas être... Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose... Vous êtes en mode impératrice. Vous êtes en mode impératrice, mode, les Verseaux. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous attirez énormément de monde. Et je pense qu'en plus, comme on l'a vu ici, que non seulement vous attirez énormément de monde, mais que vous vous ouvrez aux personnes de façon véritable. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous sélectionnez. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui... Parce que vous êtes toujours attaché... Alors c'est marrant, mais c'est comme si en fait... J'ai l'impression qu'on a toujours une vie publique, une vie cachée, une vie secrète. Et dans votre vie secrète, c'est-à-dire au niveau de votre subconscient, avec la source et tout ça... C'est comme si quelque chose était en préparation, là. C'est comme si... Pourquoi est-ce qu'on a le Three of Swords ici au niveau de... Bon, je l'ai posé trop tard, mais en fait, les guides savent que c'est celle-là. On a le Sun in Reverse, hein. Et ensuite, on a... Parce que vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez... L'énergie qui porte ça, c'est bien entendu le Seven of Cups. Ben ouais.
toujours dans l'illusion. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Vous avez beau vous dire que vous voulez avancer, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi est-ce qu'on a la justice ici? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tomber dans votre vie, mais de façon très simple et rapide, vous n'aurez même pas le temps de vous en apercevoir, les Verseaux. Acceptez cette personne. L'empereur ici, putain. Et là, on a la High Priestess. Et c'est quoi qui porte? Mother of Cups. Putain, donc c'est exactement ça. Il faudrait que l'empereur, parce que vous êtes aussi le Vénus de la divine féminine, enfin le chakra couronne de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Et ça vient me dire que... En fait, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que l'empereur s'impose des limites. L'empereur reste sur la défensive. L'empereur ne bouge pas alors qu'il a énormément d'amour pour vous. Il se sabote, en fait. Et vous, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre de subir ça, en fait. J'entends ce truc qui dit on veut plus subir, on a marre de jouer les sbires. Seule chose que j'attends, c'est que les miens respirent, un truc comme ça. C'était NTM, ça, je sais plus. Je sais plus c'est quoi. Bref, je sais pas pourquoi il y avait ce truc dans ma tête. C'est fou, hein, ça me sort jamais de trucs comme ça. Mais on a le 5 d'action in reverse. Et c'est quoi cette chanson là? Ah oui, c'est Cause that my people, un truc comme ça, mais on s'en fout. Donc on a le Daughter of Pentacles ici qui vient me dire que vous vous concentrez sur vous en ce moment et que vous voulez pas d'une nouvelle passion, vous voulez une relation sérieuse, vous voulez de l'amour véritable. Alors il y a peut-être, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a peut-être une passion que vous refusez ou peut-être une histoire torride que vous refusez mais qui va se transformer en histoire... c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient vous voir avec le feu au cul et finalement vous tempérisez tout ça. Et finalement, ça se calme et finalement, ça fait une relation plus douce, plus calme et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments torrides, mais ça veut dire que ça vient me dire que vous êtes de grands alchimistes et que vous savez ce que vous voulez, mes amis Verseau. Et au niveau du Seven of Confort ici, on a le Nine of Pentacles ici, donc vous vous concentrez sur vous. Et The World. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas de nouvelle passion pour vous, qui ne vient pas pour vous, il y a une nouvelle passion qui vient pour vous. Et je pense que c'est ça la justice, c'est que vous rencontriez quelqu'un parce que cette personne ne veut pas se décider depuis trop longtemps et je pense que l'univers en a marre et que... Du coup, et ça ne veut pas dire que le cycle va être fini, mais ça veut dire que vous, pendant quelques temps... Mais je pense que si vous rencontrez quelqu'un, ce sera peut-être quelqu'un, par exemple, qui a déjà des enfants ou quelque chose comme ça. Enfin, vous allez vivre une relation sans trop vous poser de questions. Sans... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir, mais ça veut dire que... Alors c'est marrant, hein, ça peut vouloir aussi me dire que vous auriez pu obtenir quelque chose avec quelqu'un, que vous n'allez pas le faire, que vous allez reprendre ça à partir de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Et aussi cette carte de Pentacle Universe peut vouloir me montrer que peut-être vous ne vous sentez pas prêt pour assumer si c'est quelqu'un qui est avec des enfants, l'enfant et tout, j'en sais rien. Franchement là, je m'éparpille, mais ça peut vouloir dire ça aussi. Mes amis Verseau, que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment et c'est ça qui vous fait souffrir. On vous demande de ne pas vous poser de questions, vous êtes extrêmement attirant, vous... Il y a énormément de choses qui viennent à vous, d'opportunités qui viennent à vous en ce moment, saisissez-les quoi. Allez, j'essaie de m'en tenir aux 20 minutes là, j'essaie de m'en tenir aux 20 minutes, il faut que je fasse un effort. Quitte à ce que je revienne plus rapidement, mais il faut que je vous fasse un divin masculin aussi. De toute façon, c'est simple, hein, je vais vous dire franchement les Verseaux, j'ai fait une autre énergie opposée, ça ne veut pas dire que vous êtes opposé au taureau, mais pour pouvoir avoir d'un côté une divine féminine et d'un côté un divin masculin. Donc si vous voulez aller voir votre autre en face, vous allez voir les taureaux. Hein. Et Taureau, c'est aussi le monde du divin masculin, donc tout ce qu'il pense et tout ça. Donc, mais vous, vous avancez, vous vous concentrez sur vous et tout ça. En fait, continuez à faire ce que vous avez à faire, ma amazing friend Verseau. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Et vous allez voir que tout va absolument très bien se passer. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise. Vous allez me dire, c'est bon, c'est pas parce qu'on va tenter ton 2 minutes qu'ils vont démonétiser. Ouais, peut-être que si. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre. Ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Ou alors sur une plage, en maillot de bain, je crois que j'ai le doigt, j'en sais rien. Je connais pas trop les règlements, mais bon. J'ai l'impression que vous regardez vos pieds aussi en ce moment, que vous avancez, vous êtes triste mais vous avancez quand même. Faites confiance, les risques 67.
Ouais, il y a des risques qui viennent vers vous, mais prenez. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de le savourer intensément, of course. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, les Verseaux. Et message in a bottle, parce que ça va arriver. Mais je pense que maintenant, si cette personne, elle n'est pas dans la même vibration que vous, vous n'allez pas hésiter à l'aborder, et ce serait une très bonne chose. Et c'est ça la justice aussi. Ce serait une très bonne chose. Mais c'est, alors, avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Écoutez la musique qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter vers celle-ci. Ouais, laissez-vous porter, mes amis Verseaux. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce coup reading. Et puis je reviendrai vers vous et puis tenez bon à ma. Allez, namasté. Ils vont faire un petit restaurant gastronomique sur la plage tout à l'heure là. Et on va se régaler. Je vous embrasse les Verseaux.